Bien, salutations les lémures, on se retrouve pour la suite de notre petit let's play sur Assassin's Creed Origins. Et donc notre quête pour le moment, quand tu en auras l'occasion, jette un œil à ma table. Des habitants ont besoin d'aide. Ok, si tu veux. Alors on va interagir. Ok. Ah ok, donc c'est pour trouver des quêtes. On va les accepter comme ça. Source d'eau douce dans la grotte à Manaï. Je connais cette grotte. Mieux vaut aller voir. Teremun. On ira voir ça. Ne me semble pas d'abandonner. Ah. On fait pour appeler Sefoun afin de trouver d'autres ingrédients de fabrication. Donc on va l'appeler, hein. À l'aide de la souris, amener le reticule sur cuir souple et appuyer ça pour suivre. Ok. Ok, bon, bah, on va aller voir tout ça. Hein. Je vais déjà aller voir celui que j'ai verrouillé. Une cuirasse nécessite du cuir souple, on peut en obtenir à partir de certains animaux. Bah écoutez, c'est parti, hein. On va appeler le petit dromadaire là. Alors ce qui est marrant, c'est que pour appeler mon drodro, c'est c'est A. Sur Odyssée, il faut que j'appuie sur X. Enfin, j'essaierai de me rebinder les touches de la même façon, histoire de pas être perdu. Et normalement, on pouvait aussi courir un peu. On ira faire les deux autres quêtes qu'il nous a montré après sur sa table. Wow. Ah, merci mon petit oiseau. Perdu, je veux sprinter en appuyant sur sur mage, mais ça ne marche pas. Ça devrait suffire. Bon, attends, Nate, déesse de la chasse, je te remercie. Ah, tu me remercies, mais on va se faire un petit stop quand même. Ah, yéni. De la page d'équipe. Normalement, on va essayer de se foutre un peu. Hein. Ok. Alors, on n'était pas allé voir aussi ce que c'était nos items. Peut-être des flèches qui se prennent par là, je sais pas si je peux les récupérer. Donc équipement. Ok, fabrication. Faut rester appuyé, ok. Si tu pouvais te tourner, ce serait sympa. Ok, donc c'est le tour de coupe qu'on a. Ok, alors là il faudrait du bois. Je prendrais du bois pour améliorer ça.
Si vous avez des outils, vous aurez besoin de munitions. Ok. Déblocage à l'aide de l'achat d'une aptitude d'outillage. Déblocage à l'aide de l'achat de l'aptitude porteur d'armes. Ok, ma deuxième arme, je dis pas non. Donc là, c'est quoi? Pour débloquer ceci, progresser dans la quête principale. Ok. Ok, ok. Donc là, bon, on va aller farmer du bois. Épinglé, je sais pas pourquoi. Et donc il nous faut d'autres cuirs pour améliorer nos gants de maintien. Là c'est le brassard, ok, donc il nous faut du bois et du cuir. Hein. Donc bon, on va retourner. Ça fera parfaitement l'affaire. Je vais juste vous baisser un peu la musique, histoire de pas vous casser les oreilles. Volume des effets sonores de la musique. On va voir à 85 ce que ça donne. Option, j'ai pas tout regardé. Dynamique audio complète. Ok, fréquence de la musique normale. Voilà, je pense qu'on est bon là. Hop là, un petit retour. Hop. Panneau de contrôle de l'animus. Piratage de paramètres de l'animus. Afin de modifier des paramètres de l'animus, une copie de votre sauvegarde de partie actuelle sera créée. Vous voulez vraiment quitter la sauvegarde actuelle? Non, non, non. Alors je sais pas ce que c'est, hein. Je vais éviter d'aller voir pour le moment. En plein vol je peux me les faire. Alors, je pense que là les débris de bois je peux les ramasser. Ce n'est qu'une supposition hein. Et ben non, donc je ne récupère pas de bois comme ça. Alors, je sais pas comment le bois je le récupère, c'est peut-être des petits arbustes. Toi, je te tue aussi vu que t'es à côté. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors, est-ce que ce serait les petits arbustes comme ça? Non, pas du tout. Alors, peut-être qu'ils m'expliqueront ça après, plus tard, je sais pas. Où est-ce qu'est ma flèche? Là, ok, parfait. Alors on va retourner ici. Trouver et libérer Térémoun et les paysans. Ok, donc on va suivre ça. Euh,
Indique la position approximative de votre cible. Rejoignez cette zone avec Bayek ou Senou. Ok. La ligne jaune indique la direction de votre cible. Lorsqu'elle se transformera en cercle, elle vous aidera à trouver votre cible. Ok. Ça fait n'importe quoi. Tu vas bien devoir te montrer. Je n'y a rien ici. Ok, ça c'est fini. On va appuyer sur sur Alt pour escalader, c'est un peu relou. Faudra que je rebine mes touches pour le prochain épisode. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Me voilà! J'aurais pas dû venir ici! Génie. Bah ouais, regarde, je t'ai vu. Par contre, ils sont juste assommés et ça me stresse quoi. Ok, alors là, je peux me ravitailler. A priori, j'ai différents types de flèches. On va jeter ça. Hey! Parez-lui la route! Été très 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 discret hein. Mais on va essayer de s'améliorer hein. Surtout qu'il y a un garde juste là. Ça me stresse de les voir bouger comme ça là. Arrêtez de bouger, s'il te plaît.
Voilà. Alors moi je suis sûr que t'es mort et que tu vas pas te réveiller. Lui on va le porter aussi. On va te cacher là. Je sais pas s'il y en a un qui est passé juste en dessous. Là c'est quoi ce qu'il sent ? Vas-y, tape-moi, mais arrête de bouger par contre, s'il te plaît, parce que là, ma souris, elle est pas mal sensible. Bah, tu m'agaces. On va falloir qu'on s'améliore un peu, hein. Là, j'ai posé pas mal de flèches. Ok, on peut peut-être tester la lance. Elle fait plus de dégâts. Ok, là on a une lance, hop. Comme ça c'est fait. Alors oui, on a dit qu'on se mettrait le point d'aptitude. Parade. Bon, XP. Assassiner un ennemi rapporte de l'XP. Moi je veux assassiner. On est dans Assassin's Creed. Donc on assassine. Donc on va essayer de s'avancer un peu là. La cible n'est plus très loin. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas de garde autour. Si là il y en a un. Alors si je passe là, je suis un peu grillé. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est Bayek, il va nous sauver. Ouais, attends, donc je te sauve, je vais voir s'il y a personne dans le coin. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, lui, il a atterri dans les fourrés. Partez, vite! Où est Térémoun? Oh, Paramon. Il est mort de ses blessures. La famille voudra l'enterrer dignement. Ok, donc faut que je me trimballe. C'est parti. Je vais passer par là. Et puis bon, on va le ramener. Hein. Appel de la monture. Non, mais si j'appelle la monture, est-ce que je peux le charger avec moi? Ah cool. Ça c'est bien ça. Ah, merci petit dromadaire. Ok, alors là, il n'y a pas de passage. Alors, en gros, il m'explique que je suis descendu pour rien. Ah, j'aimerais bien pouvoir accélérer, là. Il n'y a pas une couche pour speeder un peu, là. Je vais pas me rapprocher comme ça. On va essayer de passer ici. Ah, par contre, je sais toujours pas comment on chope du bois. Est-ce qu'on pourrait passer par là? Ce serait pas mal. J'espère que je vais rien casser en passant. Là, il y a des gardes, on va essayer de faire gaffe. Maudit paysan, rendez-vous utile. Alors, je vais essayer de descendre par là. On va éviter de tomber, de se faire mal. Aïe, ok,
Qu'est-ce qu'ils ont fait à la ferme de Terreno? Wow. Ok. J'ai une triste nouvelle. Où est Issa? Elle repose ici, avec son fils et sa fille. Toute la famille. Hélas, je vois que Térémon a aussi payé le prix de son audace. Je lui avais bien dit que son insoumission ne mènerait que tourment et souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu arriver des soldats, ils se sont cachés dans le cellier. Mais les soldats ont brûlé la maison pour donner une leçon à tout le monde. Ah, je suis désolé. Dépose son corps ici. Ils voyageront ensemble vers la droite. Il y a tant de morts dans la Wahat qu'on ne peut pas les enterrer décemment. Ce n'est pas ton esprit rebelle qui t'a valu la mort, Séni. C'est le régime pourri de Ptolémée. C'est un mauvais pharaon. Ah ouais, t'es dur. Ouvre-la. Il y en aura plus là-bas qu'il y en a eu ici. Ok, on a pris un petit point d'aptitude. C'était pas très charmant comme quête. Ça ressemble à la même table que notre copain là-bas. Bon, on va pas rester là. Toutes nos condoléances. C'est pas joyeux comme, comme petit coin. Hein. Donc oui, on va aller au journal de quête et on va s'occuper des radeaux. Ah, d'ailleurs, il y a ça, le faux oracle qui est à côté. Alors, on va se faire ça à la fin, on va commencer par ça. Voilà. Et pour finir l'épisode en apothéose, on ira taper le vilain pas beau. Alors, est-ce que je peux sauter par-dessus là? Ouais, ah, t'es un brave gars. Donc on va s'occuper des rats. Il faudrait essayer de trouver du bois pour améliorer un petit peu l'armure. Hein. C'est de la peau, on en a eu, je sais pas combien il en reste. Ouais, on va essayer de reprendre le chemin qu'on a pris. Alors déjà, ouais. C'est moins galère pour diriger notre monture ici que sur Assassin's Creed Odyssey. Wow. Je dis ça en même temps, je me plante, ouais, y a un mur là. Désolé, j'ai tout cassé. Ouais, je suis désolé, hein. T'as le droit de t'énerver. Ok, alors on va prendre les escaliers là. Wow. Et un peu plus vite. C'est Bayek? Ouais, c'est moi. Mais je suis pas là. C'est pas la porte à côté, là, machin. Hein. On va essayer de pas traîner. Je sais pas si c'est en hauteur. Mais qu'est-ce que tu me fais là? T'es fatigué ou Bah tourne. Non mais il est pas sérieux là. Vas-y passe là. T'en as du mal, hein. Alors, on
On va essayer d'éviter la zone interdite. Bon, vas-y. Je vais finir à pied, là, c'est rapide vite. Et puis on ira assassiner l'autre type après, là, qui est juste à côté, en plus, donc c'est plutôt voilà cool. La grotte à Manaï. Aya et moi venions ici, enfant. Les brigands doivent être à l'intérieur. Ouais, l'entrée de la grotte, elle est où? Non, je l'espère. Que je monte pas pour rien. J'ai l'entrée de la grotte. Oh, aide-moi. Ça doit être en dessous. Je dois. Voilà. Kate, c'est toi. T'es gentil, méchant. Qu'est-ce que tu fais? Bayek, tu es revenu. Moins fort, ils vont t'entendre. Qui va m'entendre? Les brigands. Ils se sont emparés de la source. Presque tous les habitants de cette partie de Siwa viennent s'y approvisionner. Les brigands sont à la recherche de cibles à dépouiller. Si vous en rencontrez, ils vous attaqueront à vue. Ok. Déjà, il y en a un là-bas. On va gentiment attendre qu'ils finissent de se croiser. Aux armes! On a des ordres ici! Ah. Bon bah si j'avais su, j'aurais pas fait ça. C'était sympa ça. Ok, mage F, c'est quand toute ma jauge est entière sûrement. J'ai pas fait gaffe. Et là j'ai vu des flèches. Truc qui brille, ça m'intéresse de le prendre. Ils pensent pouvoir nous surprendre. On en aura au moins tué un discrètement. Hein. Bon, je veux bien que tu viennes. Ok, comme ça c'est fait. Ok, il y en a un en bas là. Là-bas, il y a un truc à aller récupérer.
comme là d'ailleurs. Qui en a chopé une nouvelle arme. J'ai bien récupéré ma flèche. Tu m'autorises ou pas à la récupérer? Non, il veut pas. Quoi? Tu m'en fous, toi. Osiris va bien se moquer de toi, chien. Je les avais pas vus. Ben, on est mort, hein, en beauté. Première mort, ça se fête. Aïe, défilement des astuces, ok, un ennemi persiste, on n'a pas le temps de lire. Nous sommes de retour dans l'animus. Je sais pas si je dois tout recommencer depuis le début. Ok, on va voir ce qui est par là. Qu'est-ce que tu fais? Bayek, tu es revenu. Moins fort, ils vont t'entendre. Qui va m'entendre? Les brigands. Ils se sont emparés de la source. Presque tous les habitants de cette partie de Siwa viennent s'y approvisionner. Ok, donc on est reparti. Je sais pas s'ils sont vraiment en vie. Hein. Je vais reprendre des flèches là. Ah, ça a du mal par contre. Donc on va essayer d'être un peu plus discret cette fois. Ce serait cool. Donc ce coffre, on l'a eu. Les paysans ont besoin de cette source. Ils paieront sans rechigner. Ok, là j'en ai deux en plus. Ça va être assez tendu. Il y a quelque chose ici. Tout près. À deux, on ne se fera pas avoir. Hey! Hey! Qui es-tu? Hey. Les soldats viennent, dis-le-moi, et je les paierai. Je vais t'esquiper, ça! Vous revoyez ce paysan, alors vous me l'amenez. Je veux l'interroger. Non, toi tu meurs. Qu'est-ce que c'est? Non, ne bouge pas, ça. Ça améliore un petit peu à l'arc. Ça, tu sens des...
Je vais plus avoir de place dans mes buissons si ça continue. Hé, hey, l'arme en main. D'accord ? Quoi ? Faudrait que je change de place. Ah, je peux me cacher dedans. Oh, c'est cool. Sympa ça. On aura découvert un nouveau petit truc. Ah, mais que là. Là, je suis dégueu, on va louper. J'en ai encore deux là. Je sais pas si l'autre va se planter, donc oui, je vais le cacher là. J'ai un coffre à côté, je vais en profiter pour le prendre. Ok. Je fais compter au niveau des flèches. Bon, on va le prendre aussi. À deux fois pour revenir. Ah, je le tue, comme ça c'est enlevé. Je vais pas le laisser en ville bêtement. C'est vrai que j'ai. Je suis complet au niveau des flèches. Ok. Trouver une nouvelle quête. Si vous désirez trouver une nouvelle quête, cherchez point d'exclamation. Votre aigle peut vous y aider. Mais vous pouvez aussi ouvrir directement la carte du monde. Oui, non, mais ça va aller, merci. Moi, je suis obligé. Ok, alors par contre là il y a la zone interdite. Tu es le capitaine, puis le trésor. Alors, on va s'y rendre à côté. Je crois qu'on avait une mission à faire là-bas en plus. Donc voilà, on va essayer de voir s'il y a autre chose là. Ok, c'est une sortie. Bayek, la source, tu l'as reprise? Louons les dieux. Les paysans en ont absolument besoin. Tu as ma gratitude, Bayek. C'est comme si notre Medjay était de retour. Je suis heureux d'avoir pu aider. Kamon accompagne tes pas. Il est impossible de vendre des babioles dans n'importe quelle boutique. Ok. Alors je pense que Medjay, ça veut peut-être dire protecteur. Hein. Peut-être que je me trompe, mais bon. C'est ce que je ressens. Voilà, de la façon dont on en parle et ce qu'ils disent, voilà, c'est ce qui s'en rapproche pour moi. Alors, j'ai un nouvel arc, je vais le mettre. Équipement, bim bam boum. Toi, je vais t'enlever. Alors, est-ce que je peux en mettre un autre? Il fait 85 et celui-là, il fait 75. Bon, on va mettre celui-là. Par catégorie.
plein. Multiplicateur de coups lointains. Ah, je peux l'équiper directement, ok. Ah, je vais prendre celui-là. Hein. Et je vais tester celui-là d'abord. Et après, on mettra l'autre. Donc, ok, ça me coûte rien. Ils sont déjà offerts. Ok. Y a pas un petit bouton retour échappe là. Je peux pas cliquer directement, c'est un peu relou ça. Je peux peut-être me changer un peu mon chameau là. Alors pour le transport, je sais pas si je peux transporter dessus. Alors je vais enlever ça dans chaque épisode. Écoutez, on va continuer comme ça. Prochain épisode, on se testera une monture à chaque fois. Ouais, il me faut du bois. Donc c'est à dire que les tenues je peux aussi échanger. Ben, on mettra la tenue qui va avec, avec la monture. Arme au corps à corps. Il me semble qu'on avait un petit peu mieux. Ça c'est celle qui est équipée. Alors, je vais repasser là dessus. Et on s'essaiera les lances et ces armes là la prochaine fois. On se mettra ça avec l'équipement qui convient, comme les boucliers. Voilà. Alors là, je peux pas me crafter un petit truc, non. Là, il manque des peaux, ouais, de croco ou de serpent, là, peut-être. Des peaux vertes. Et là, du bois, toujours. Faut vraiment qu'on trouve comment faire du bois. Donc là... Voilà, ok, un petit coup de halte. On est reparti. On avait une cible qui était pas très loin, donc on va essayer d'y aller. En plus la nuit tombe, donc comme ça on sera caché. Ah ok, j'ai pris un peu de dégâts en tombant. Défend, dort, ok. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on a les informations sur ce qu'ils font. Il faut que j'éteigne ça là, faut que je le piège avant. Lui dort, donc au pire je pourrais aller l'éliminer comme ça. Il y en a un qui défend juste à côté. Alors, est-ce que je pourrais pas le tuer d'ici? Ah ouais, il est violent l'arc. Là-dessus, on se testera les arcs la prochaine fois aussi. Là, vous en avez eu un avant-goût. Là, on va se mettre un petit point d'aptitude la prochaine fois aussi. Là. Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Je t'éventre. Quoi ? Oula. Je vais t'étriper. Non, tu vas rien étriper du tout là. Ah non, il s'est réveillé. Je crois qu'il fuit, hein. Mais c'était pourtant ici. Je sais même pas comment il s'est réveillé. Tu peux venir par là, ce serait bien.
qui remonte. C'est pénible qu'on puisse pas les finir comme il se doit et qu'ils soient juste assommés. Mettre un... Même quand ils sont assommés, on peut pas les déplacer, donc c'est pas terrible, terrible. Là, j'aimerais bien monter au balcon. Une patrouille. Peut-être ai-je rêvé, mais j'ai vu d'étranges silhouettes au sommet du mont Hamanai, au nord de notre campement. Nous sommes entourés de tombeaux et ça me donne froid dans le dos. Je n'ose pas grimper là-haut pour vérifier si ce que j'ai vu est humain ou une créature divine provenant du Ka, ou pire encore, un esprit de démon. Personne au campement n'ose y aller, même en les menaçant de les priver de vin pendant une décade. Essayer avec une lune a été leur réponse. Courageux soldat en patrouille, je t'ordonne de sacrifier ton âme pour moi et de me rapporter les informations dont j'ai besoin. Kamon t'accompagne, Khéops. Ok. Alors c'est tout, je peux pas embarquer la donnée avec moi. Ça c'est fait. Quoi qu'il en soit. Ah ouais, c'est vrai que c'est là. Hop. Donc il y a des trésors à piller. Ah, si je pouvais passer d'arbre en arbre, ce serait pas mal. Non, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais... Si tu peux te mettre juste en face du rondin, là... Vas-y, escalade-moi le rondin. Non, tu veux pas. Ça va passer là. Ça, je vais le piéger au cas où. Ah, il ne reste plus qu'à piller la zone. Ça par contre je peux. On dirait un serpent. Mais c'est un arc. Ok, y en a un qui se réveille.
Là, il y a rien à prendre. Alors, il faut que j'aille le tuer. Histoire d'être tranquille pour fouiller. Approche, que j'ai le plaisir de débarrasser le monde d'un duo. Ok, ça c'est fait. Sinon, c'est dès que je fais un petit truc là, ça sauvegarde. Alors, il faut que je débarrasse son corps du plancher. Surtout que j'en ai un autre qui se pointe. Ah, ok. L'autre se pointe. J'avais même pas fouillé là. Vas-y, avance là, il fait quoi, il a bugué quoi. Ça c'est fait. Là, normalement derrière c'est des flèches. Voilà. Qui me reste plus que ce secteur à fouiller. Parce que c'est, je sais pas si j'ai dans l'inventaire une bourse comme sur Odyssée avec tout mon bazar. On essaiera de voir ça après. Bah, normalement j'ai tout fouillé là. Ça je peux pas le prendre. Bah voilà. Écoutez, on a tout fouillé là. Donc on va partir. Ah, c'est cool ce petit saut là, c'était sympa. Et donc maintenant, normalement, au niveau des quêtes, il nous reste ça à faire. Et j'espère que l'épisode n'aura pas été trop long. Mais on peut... On
va se faire ça. Donc ça c'est équipé. Alors, je vais prendre ça pour tester. Voilà, on va trier par niveau. Trier par catégorie. Ouais, c'est pas plus mal. Dernier bulletin. Ok, là, c'est par niveau. On a un petit souci là. Ok, bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et après, au pire, je ferai par catégorie. Ça, c'est bon. Alors, je suppose qu'on a deux points d'aptitude à prendre, mais on verra ça plus tard. On va essayer d'aller friter. Ce cher personnage. Donne-moi un prétexte pour te mettre en pièce. N'importe lequel. Right position, Gareth. Non, mais l'autre, je l'ai libéré. Il a fait une drôle de tête, hein. Ouais, ça va plus vite de les déposer comme ça que en les posant délicatement. Bon, lui, il est tranquille maintenant. Voilà. Ok, il y a une tête pas loin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller taper le gigolo. Le gigolo. Ah ouais, il y a du bois là-bas. Ça, je sais pas ce que c'est, faudra aller voir. Ok, je vais le verrouiller. Ça, c'est quoi? Transport. Voilà, bah écoutez, on s'amusera à essayer de faire ça plus tard. C'est dommage, c'est que ça, c'est violet. Mais nous, notre objectif, c'est d'aller là-bas. On est parti et puis on s'amusera à faire du transport plus tard pour voir si c'est des gardes qui transportent des marchandises et qu'il faut les récupérer ou s'il faut s'attaquer directement à des marchands ou des chariots, ce qui va foutre un peu mal. Ok, donc là on arrive directement au camp. Alors, je suppose que si je viens là et que je fais mage, hop, ça me rappelle vaguement quelque chose. Non mais non. On a la jauge qui était entière. Altef là. On est remords. Je pensais pas qu'en montant j'aurais la surprise de voir un garde. Si tu pouvais te dépêcher de rentrer dans l'animus là, ce serait bien. On va essayer de faire ça de façon un peu plus discrète cette fois. Quitte à envoyer notre oiseau. Donc ça, mauvaise idée. Donc laisse-moi parler à ma femme. Donc là, c'est bon. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi.
Ok, donc là je peux passer. Ça réveille les autres. Il fait mal le coup. Hein. Ça c'est fait. Ce qui est sympa sur Odyssey, c'est que ça loot automatiquement quand toutes les personnes qu'on avait achevées étaient dans le secteur. Là, faut s'amuser à looter séparément chaque personne. Bon, c'est pas embêtant en soi. Hein. Ah, le feu est allumé. Laisse-moi parler à ma femme. Qui vont arriver. Je sais même pas où il était de feu. Je vais peut-être faire mon aigle pour voir un petit peu l'état des lieux. T'as du mal ou quoi, petit aigle? Alors, je sais pas ce que c'est tous ces trucs. Ah, il travaille. Okay. L'alerte a été donnée, mais ouais, il n'y a pas de feu a priori là. Je sais pas d'où ça a été déclenché, mais apparemment, j'en ai vraiment toutes les infos. Je suppose que faire un cheval c'était pour les montures. Notre cible est là, donc je vais la reverrouiller. Hein. Voilà. Alors, vu que toi t'es sur place, comme ça c'est fait. Je sais pas s'il se relève après, faudrait que j'en laisse un. Comme ça, après que je l'ai assassiné, soi-disant. Pour voir s'il rebouge. Alors là, il y a un truc à aller voir, on va y aller. Graphite, ok. Je pense que plus tard, ça va être important dans l'amélioration de d'armes. Ok, alors là, il y a une grotte. On va voir ça plus tard. On va déjà aller tuer notre cible et puis on finira de fouiller les lieux plus tard. Ah ouais, là tu m'aides pas là. Non, je veux pas que tu sautes, je veux que tu montes à la tour. Voilà, merci. Faut du moins au pilier. Je sais pas ce que c'est que là, cette. Pourtant, je l'ai changé mon arc. En plus d'un fouet et d'une épée, les sites utilisent cet arc.
pourquoi il me décoche plusieurs flèches à la fois comme ça là. Ah ouais, cadence de tir, ok, d'accord. Ah, c'est pas plus mal, mais ouais. Donc, je fasse bien attention. Ah, cours de munitions. Ah, le bad. Ah, ça va vite. Faut que j'aille récupérer des flèches. Ma famille a besoin de moi. Donc a priori il y a quelqu'un à libérer là. J'espère que j'en aurai assez. En protection. J'étais trop loin. Toi, tu ne passeras pas. Je sais même pas où elle est passée ma cible. Elle est là. Me voilà. J'ai une bonne nouvelle. Tu n'auras bientôt plus de problèmes. Je vais taper en même temps. Vite. Okay. Donc on va confirmer, hein. Justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant, la vie d'un enfant. Papa. Pas loin. Allez, encore une fois. D'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt? Oui. Yeah. Oh, tu m'as fait rater. Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 hyènes. Elles sont toutes noires 16. Et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Eh, eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay! Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay.
T'as bien trop peur. C'est pas vrai. Et la grande Oyenne, alors? Tais-toi. Ça suffit, vous deux. Le sable me brûle les pieds. Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes pieds y prennent feu. Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère t'attend. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Ne vous prenez pas de moi. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Ah, c'est mon moment préféré. Baisse-toi. Ils vont nous voir si on ne devient pas comme Amon, le dieu qu'on ne voit pas. Oui, papo. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Oh non, je leur ai fait peur. C'est pas grave. Ça nous fera plus de temps ensemble. À profiter de ces moments. Reste avec moi. On pourra le faire. Tous les deux. Tu vois? Mes yeux... Papo! Il est en train de s'enfuir! Patience, mon fils. On va la voir. Oh, mais Snapper! Tu vois? Mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche. C'est la seule manière de viser juste. J'aimerais... toucher. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Ouais, je lui tiens dans le cul. Allons chercher ça. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux, à condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Ah, donc c'est bien ça, c'est un protecteur. Ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh, papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Attends. Passons par là. Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux, mais parfois c'est dur. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois moi aussi j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderais. Oui. Quel mot il disait, ton père, déjà? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais. J'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papo. Je peux. Tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aidez-moi. C'est Shenzira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira. Je m'en occupe. Medjay Bayek. Va, allez. J'ai peur, papo. Je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemu, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Medjay Bayek! Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler! Ah!
Bon, moi qui voulais mettre un terme à l'épisode. Qui es-tu pour me donner des ordres? On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. C'était prévu comme ça, mais en tout cas, c'est le cas. Pas s'il y a plusieurs issues possibles ou c'est celle-là. Au moindre bruit, tu es mal. Seulement qu'il y avait, mais on verra bien. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a été discret, Seigneur. On est resté dans l'ombre. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs issues possibles, mais en tout cas, nous voilà ici. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous, Medjay. Il est d'une importance cruciale que nous accédions à la crypte. Les prêtres du temple s'entêtent à refuser de nous aider. Tu y répugnes aussi, peut-être, par loyauté envers le roi. Il se trouve que nous avons ici quelqu'un qui devrait t'aider à changer d'avis. Silence ! Je suis prêt. Adelphos. Bien. Veillez à ce que personne n'entre. Kemu, tu es blessé? Vas-y, essaie à ta manière. Laissez-moi. Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de sang! L'enfant est effrayé. Tout va bien. Papa, il faut que tu leur dises pour la crypte. Il faut leur dire comment on utilise ça. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Ah, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Seigneur, le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts. Vite. Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Non? Papo, je peux te l'apporter. Non, Kemu, non! Ils vont nous faire du mal. Kemu, il faut... Kemu! Quelle perte de temps stupide! Non, Kemu, Kemu! Non, viens, viens, viens! Parle! Non, je ne sais rien! Nous devons partir! Je vais arracher le cœur de ce garçon! Non, attends! Il ne connaîtra jamais l'autre monde! Non, je vais parler! Il veut gagner du temps! Qu'est-ce que c'est? C'est de la folie! Le serpent considère que c'est ta réponse! Ah non! Kemu! Kemu! Kemu!
maintenant. On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne. Bayek de nulle part. Misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne. Puisse le cachet t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi, le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ah, de la santé, j'en avais besoin. Donc on a une nouvelle quête, on se fera ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais essayer de synthétiser tout ça après, histoire que ce soit pas trop long. J'espère que ça l'aura pas été. Donc sur ce, je vous dis à plus et on se retrouve pour la suite prochainement. Ciao, ciao tout le monde.